encore une fois, on a fait une superficie, là, pour, peut-être qu'on devait avoir l'ensemble de l'œuvre, mais d'après moi, ça 250 par 250. Je connais pas exactement la durée actuellement, mais selon moi, c'est en bas de 7 minutes. C'est un homme seul qui a fait ça. Puis, peut-être à mentionner important, là, sur le petit hurricane qu'on a ici, on est en mesure de jouer avec l'angle. Il appelle ça le pinch point, qui est l'angle de l'air. Donc, quand on fait un nettoyage de stationnement, on est en mesure de baisser nos trappes ici pour diriger l'air plus directement vers le sol. En temps actuel, c'est sûr qu'on avait des conditions de feuilles. C'est pas quelque chose qui est pesant à tasser. Donc, on avait mis ça dans un angle, le moins d'angle possible. C'est sûr que dans tous ces types d'appareils-là, le calcul qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de... Faut comprendre, bien sûr, combien la machine coûte, mais on aime particulièrement ça, mettre en lumière la productivité et ce que la machine peut rapporter. Un appareil comme ça remplace, peut-être que la vidéo, peut-être vous me contrarierez, mais selon moi, ça remplace entre 4 et 5 gars facile à radeau. Donc, aujourd'hui, que la main-d'œuvre est assez difficile à trouver, quand on peut mécaniser notre travail avec ce type de machine-là, c'est important d'y réfléchir. Un appareil comme ça, je vous invite à nous appeler pour savoir le prix. C'est des prix qui sont très raisonnables, évidemment, compte tenu de la productivité que ça a. Et le fait que ce soit une machine stand-on fait en sorte que l'opérateur ou l'opératrice ne se fatigue absolument pas lorsqu'on travaille avec ça. Donc, je vous invite évidemment à nous contacter, soit par courriel, Facebook ou encore par le téléphone. Ça nous fera plaisir de vous soit faire une solution, vous donner encore plus de détails si vous en avez besoin. Merci pour votre écoute et à la prochaine!